toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quand on reprendra, on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à la guerre contre je sais plus quoi, le duché d'Aquitaine. Donc voilà. Vous avez béni. Et vu que ça fait un petit coup que j'ai pas joué au jeu, j'ai fait une petite semaine sans vous, je crois. Pour à peu près me remettre un peu dans le jeu pour savoir ce qui s'est passé. Donc vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé grand chose. Hein. Puisque quand ça fait une semaine que vous jouez pour eux, franchement vous oubliez vite des choses. Hein. Ouais, vous avez vraiment rien loupé de spectaculaire. Hein. Bon, alors, déjà première chose, c'est que je vais faire plusieurs guerres d'un coup. La guerre là, et je vais en même temps déclarer la guerre à Venise. Oups, deux secondes. J'ai oublié un truc. On enlève ça. Pour revendiquer on va déjà revendiquer ça. Des gars, en fait, pour revendiquer ce qui m'a été enlevé, faut dire ce qui est, hein, plutôt ce qui m'appartient de droit divin, comme diraient certains dans cette série. Donc on va y récupérer ça tout de suite dans une petite guerre. Et on va utiliser 10 000 hommes pour le reste. Donc voilà, je remarque que la série vous plaît énormément, donc je suis content pour ça. Et je vous rassure, normalement la série ne s'arrêtera pas avant longtemps. Donc voilà. Alors entre temps, j'ai rejoint la guerre contre... la guerre qu'a ma mère, parce que... Petit fait important à savoir, je suis héritier de la couronne d'Hongrie. Qui dit héritier dit bien évidemment vouloir garder cette histoire d'héritier. Donc je veux pas qu'on vienne me chourer en quelque sorte le fait que je sois l'héritier. Ou pour ça je vais faire quelques coups bas comme assassiner s'il y a d'autres prétendants au trône. Je vais être honnête, je vais le faire. Donc voilà. Donc en parallèle de ça, bien évidemment, il y a toujours des gains un peu partout. On voit que le roi de France est en train de gagner des couronnes. J'ai un peu regardé en fait ce qui se passe, hein, je vais pas vous mentir. L'Empire byzantin est toujours en pleine querelle pour savoir qui doit être l'empereur. Ici aussi des querelles, vous constatez les petites querelles qu'il y a. Donc je vous rassure, c'est le bordel. Hein, dans toutes les games que je fais, il y a toujours le bordel comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Faut juste s'y habituer. C'est très bien. Donc petit cours historique, et oui bien évidemment, ça fait un moment que je n'ai pas fait, donc on va en faire un petit coup. La différence entre un roi et un empereur. On m'a posé cette question un peu sur message privé, donc c'est pour ça qu'en plus j'en profite pour en parler. Le roi, c'est de droit divin qu'il est roi. Et c'est le roi d'un peuple. Par exemple, le roi des Francs, le roi des Croates, le roi d'Hongrie, c'est le roi du peuple hongrois, le roi de France. C'est vraiment le roi d'un peuple. Alors qu'empereur, c'est quelqu'un qui dirige plusieurs terres, plusieurs provinces, on peut dire. Deux secondes, j'aimerais... Voilà, j'ai plus de mes flottes. Donc c'est une personne qui dirige plusieurs cultures, par exemple empereur byzantin. Et par exemple empereur c'est, on a empereur par exemple des Grecs, qu'est-ce que c'est comme culture, des Bulgares, des Arméniens. Donc c'est, vous êtes en fait empereur de plusieurs peuples. Donc un empereur... Oh, caractéristique pourrie. Donc vous pouvez être empereur de plusieurs peuples. Ah, c'est bien. Voilà. Bon trait de caractère. Donc vous êtes empereur de plusieurs peuples. Donc vous pouvez donc être empereur de plusieurs rois. L'empereur byzantin peut être
empereur du roi de Grèce, du roi d'Arménie, je sais pas s'il existe ces royaumes-là, donc je dis ça comme ça me vient. Royaume de Jura. Ouais, de Grèce, d'Anatolie, d'Arménie, voilà, il peut. Parce que vous êtes empereur de plusieurs peuples. De plus, lorsque vous êtes empereur, lui le sait encore. Vous, le plus souvent, on parle d'empereur, ce n'est pas un titre que vous héritez en fait. Par exemple, vous êtes empereur parce que vous avez fait des conquêtes, vous êtes empereur parce que ceci, ce, ça, cela. Vous n'êtes pas empereur parce que vous êtes de droit divin. C'est ça la grande différence. Vous êtes empereur parce que vous avez conquis. Alors, vous étiez un roi, vous avez conquis beaucoup de terres et vous décidez de vous appeler empereur parce que vous êtes en quelque sorte dirigeant de plusieurs empires, de plusieurs royaumes. Donc au final, vous êtes roi, empereur. Excusez-moi, je me mélange aussi, vous voyez, c'est moi, c'est facile à expliquer. Donc vous êtes empereur de plusieurs. Oh cool, on va mobiliser les troupes là. Donc vous êtes empereur de plusieurs civilisations, par exemple. Et surtout, le plus souvent quand on parle d'empereur, on parle indirectement de conquête. Je m'explique. On dit qu'on est empereur lorsqu'on conquérit en fait les. Comment peut-on dire? Les. J'arrive pas à trouver le mot en fait exact, donc ça m'embête. Vous êtes empereur quand on dit que vous êtes. Ah, je retrouve pas, c'est. Bon, en gros, vous êtes empereur parce que vous conquérissez, voilà. On va simplifier ça comme ça. Vous faites des conquêtes, donc vous êtes considéré comme un empereur au final. Parce que vous êtes considéré comme, voilà, comme quelqu'un de guerrier. Voilà, vous êtes quelqu'un de guerrier, de guerroyant. Donc c'est quelque chose qui est très bien vu en fait. Être empereur, c'est dire que vous êtes quelqu'un de conquérant, de sanguinaire, hein, en quelque sorte. Donc ça veut dire c'est quand même un titre. Vous êtes devenu empereur parce que vous avez fait des conquêtes. Or que roi de France, c'est vous naissez, vous êtes héritier du royaume de France, vous êtes prince de France. Voilà. Non mais c'est bête ça, mais c'est ça en plus. Ce sont toutes les raisons de fait qu'on est empereur ou pas en fait. Et le problème, c'est que le plus souvent, les empires, on constate avec l'empire byzantin, c'est que par la suite, on considère être empereur de dos. C'est divin. Voilà. On est empereur parce qu'on est empereur. Vous voyez, on a été nommé empereur, ouais, génial. Alors qu'historiquement, empereur, c'est-à-dire que vous avez conquéri des terres. À preuve, je vous rappelle que son appellation, on parle d'empire, et non pas de royaume. Parce que nous avons conquéri des terres, nous avons fait des conquêtes, voilà, c'est pour cette raison, justement. Que par la suite on va arrêter de parler d'empire, franchement, parce que les empires vont disparaître petit à petit. Le dernier grand empire, faut dire ce qu'il y a, l'empire byzantin, bon, c'est bien sûr, ça me convient ça. En plus de tout cela, un empereur, bien évidemment, gouverne sur plusieurs terres, c'est-à-dire qu'il est guerrier. C'est dire aussi qu'il y a derrière une immense administration comparée à un royaume. L'empire de Charlemagne. Ou Saint-Empire carrément. C'est pas une administration comme un royaume. Un royaume, par exemple, le roi de France, peut gérer son royaume tout seul. Un empire, vous avez besoin d'une administration très efficace à côté quand même. Hein. Mince, cette guerre est finie. Bon, on revendique Padoue, ouais. Alors. Duc de Flandre éduqué enfant 2 secondes. Enfin, duc de Flandre aussi, c'est quelqu'un de très bien. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important de se rappeler en tant qu'empereur, c'est que vous l'êtes. C'est que normalement vous l'êtes pas en fait de naissance. Et on constate dans Saint-Empire, comme dans l'Empire ancien, qu'empereur après devient en fait un peu comme un roi. Un monarque, un grand monarque en gros, c'est le monarque absolu.
qui a de plus grandes terres, c'est tout, mais au final, la distinction empereur et royaume va être perdue. Pour dire ce qui est, c'est. On va oublier qu'initialement c'était autre chose en fait. C'est dommage, je trouve. Ouais, ils nous ont repris ça. Ouais. Comté de Padoue, voilà. Donc voilà, c'est. C'est d'ailleurs la grande raison qui fait que. Je crois que je dois avoir un casus belli valide sur. Sur la Silésie, on va voir ça. Donc voilà, c'est la grande différence, hein, faut dire. Après, bien évidemment, il peut y avoir beaucoup de différences. Hein. On peut par exemple revenir sur le fait quand le Saint-Empire romain germanique va être créé. Parce qu'il va être créé à l'époque de sa création. Je sais plus la date, donc j'aimerais bien avoir l'histoire pour savoir. Et. Voilà, ça doit être vers. Je pense que ça doit être quelque part par là. Il a dû être créé l'Empire. Florence, c'est très bien. Voilà, c'est. Ici, on va nommer. Fabriquer des revendications. Ici, je crois. Donc c'est vraiment indépendant, faut dire ce qui est. Empereur et ah, excusez-moi. Donc empereur et roi, c'est pas pareil du tout. Et le Saint-Empire a été créé en fait lorsque, à une époque, l'Empire byzantin va connaître le fait que ce sera une impératrice qui va gouverner l'Empire byzantin. Et en Occident, on conçoit pas ça, que ce soit une femme qui peut être impératrice. J'espère que vous avez modifié l'avarice, parce que j'aime pas ces trailers. Et j'ai revendiqué Paris. Donc c'est quelque chose en fait qui est pas concevable pour l'Occident. Il décide donc. C'est ça quand même qui est beau. Hein. Il décide donc de créer. C'est ça quand même qui est un peu drôle. Le Saint-Empire. Et à Byzance, ça va être considéré comme un peu une offense à l'Empire byzantin. Et ils vont toujours se détester, faut être honnête, ils vont jamais s'apprécier, ces deux grands. Ils vont jamais s'apprécier, ils vont toujours se détester. Parce que, techniquement, il n'y a pas à s'appeler empereur. Certes, Charlemagne a conquéri beaucoup de terres, voilà. Mais l'Empire byzantin, il concevait comme empereur, en quelque sorte, de droit divin. En étant empereur, parce qu'on était empereur. Pour eux, empereur, initialement, c'est les descendants, les empereurs, je parle bien, c'est descendants des... pas des conquistadors, excusez-moi, je pense aux autres choses en même temps. Ce sont les descendants des... comment on peut dire ça descendants de César, voilà. C'est plus souvent... Je suis un de ces vassals, ça me fait toujours rire. Je suis empereur, mais je suis vassal de Saint-Empire. Ça me fait toujours rire quand même. Mais bon. Donc, vous êtes empereur. Est-ce que vous êtes empereur? Voilà, c'est... Nous sommes héritiers du célèbre César, donc nous pouvons être empereur. C'est ça? Comme ça, c'est... Dit comme ça, c'est vrai que moi, je dis comme ça fait rire. Mais c'est tellement vrai! Ah, c'est juste tellement vrai qu'au final, le titre d'empereur va te passer au début, c'est on est empereur parce qu'on est descendant de César, puis par la suite, on est empereur parce qu'on est empereur, en gros. Voilà, empereur de conquête, par la suite, on va être. Mine de rien, c'est un changement, faut être honnête, c'est... C'est quand même un sacré changement, faut pas nier ça. On passe d'un titre... Je vais faire racheter ça.
Je vais les faire payer, ça me coûte. Ça par contre c'est sadique par contre. Je fais payer mes dotas. Voilà, et on fait. La reine, non, bon bah on va te. Bon, donc voilà, c'est aboutissement, il faut dire aussi du. Je vais rassembler mon armée. Parce que de mémoire, je sais que j'ai beaucoup de revendications sur le Saint-Empire, donc on va voir ça une fois que mes armées sont rassemblées. Du coup, si c'est le cas, je vais pas vous mentir, j'expose le Saint-Empire. Le Saint-Empire va avoir toutes ses armées là, donc moi je vais pouvoir attaquer un peu fourbement dans son dos, l'exploser, le récupérer mes terres et c'est tout. Voilà. J'ai vraiment envie d'hériter de ce titre, c'est. On va pas attendre plus longtemps, là c'est le moment propice pour. D'ailleurs il y a quoi, 35 000 hommes, j'en ai combien. Vous imaginez au début qu'on était dû qu'on avait quoi, 1000, 2000 hommes. J'ai tout ça en revendication et depuis quand. Et depuis quand j'ai autant de revendications là. C'est waouh. Bon, vous êtes prêts? On va faire la plus belle levée de troupes au monde. 3, 2, 1. On rêve les troupes du royaume. 46 000 hommes ici. Bon, ces troupes là vont se rendre ici. Ici j'en ai combien? 8 000 hommes quand même, mais c'est raisonnable quand même. Ici j'en ai combien, j'en ai un peu aussi. Donc en gros je fais aussi une guerre contre. Ah tiens, il y a aussi une guerre indépendante je pense. Donc voilà, vous avez promis une grosse baston, hein. Je sais pas pourquoi j'entends une question, je m'en fous de savoir comment je les ai, je fais ma guerre. Depuis le temps que j'ai pas joué au jeu, en fait, je sais plus à quel point où j'étais arrêté dans la partie, donc je sais pas les revendications que j'avais, tout ça, donc je me questionne pas, franchement. Voilà, 15 000 hommes ici. Vous avez vu l'argent aussi que j'ai? C'est. Ah, j'ai une immense armée de levée. Bon, stop, 2 secondes. 26 000 hommes, stop, je veux pas plus de 26 000 hommes. Et aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai remis les titres de royaume comme ils étaient avant, donc royaume de Bourgogne. Parce que je pense que vous avez vu le drapeau à quoi il ressemblait de la Franche-Comté, donc je pense que vous l'avez adopté. Donc c'est pour ça que je pense plus que ce soit nécessaire que je vous le mette à chaque fois. Donc, on vire un peu et on simplifie. En gros c'est ça. Maintien moral 8 est viré. Travailleur, ça c'est très bien. Très bon trait de caractère. Oh non! Ah non, ça c'est un mauvais trait de caractère. Bon bah je lui enverrai faire des guerres. Que plus vous faites de guerre en fait, plus vous. Ben, vous êtes travailleur en fait. Voilà tout simplement.
faites des guerres, donc vous allez au combat, vous perdez des travailleurs comme ça, ou vous faites beaucoup de construction, tout ça dans votre royaume, ça permet d'enlever ce trait de caractère. Oui, il y a quand même moyen de l'enlever, hein, je vous rassure. C'est quand même gênant quand même d'avoir ce truc de caractère. Je vais même avoir un autre trait. À mon avis, le Kaiser, il va tirer la gueule, à mon avis. Et hop, ça, c'est capturé. En fait, je suis en train de me demander, est-ce que par hasard, je serais pas... Est-ce que j'aurais pas eu un mariage avec le Saint-Empire? Non, je sais pas. C'est... Je sais pas pourquoi j'ai autant de revendications en plus que je peux appuyer pour moi. Ça, je comprends pas. Parce que de mémoire, je n'ai pas mis de chancelier depuis un moment ici. Ouais, bon, bref, on sait pas d'où ça vient. Mais bon, on en profite. Caserne on augmente. Ici, on va faire quoi? Ça passe de rassemblement. Voilà. Vous constatez aussi que dans ce jeu là, vous pouvez gagner des guerres sans tout prendre quand même, sans dégommer toutes les armées ennemies, sans prendre tous ces territoires. Et ça, je pense que vous êtes déjà rendu compte avec mes anciennes batailles. Hein. Bon, vu que c'est quelque chose, je pense que vous avez vu à force de mes vidéos, je pense que j'ai pas besoin de le souligner, mais voilà, c'est pour ceux qui commencent en tout cas le jeu, j'en profite aussi. Alors, l'Empire Byzantin, c'est vraiment un truc sympa à jouer. C'est très dur en début de partie, mais une fois que vous avez arrivé à stabiliser le royaume, c'est vraiment, je pense que c'est un empire que j'ai vraiment passé beaucoup de jeux, mais après, je vous conseille plutôt de commencer vraiment Duc. Duc, je trouve, c'est... Voilà, c'est Duc. Moi, je trouve pas besoin de plus qu'être Duc, initialement dans le jeu. Bon. Sauvegarde automatique, j'ai gagné la guerre. Vous êtes prêts? On va voir ce qu'on a gagné. J'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de voir. Bon. Tout ça? Eh ben. Ah, j'ai récupéré en fait beaucoup de l'Italie, d'accord. La Flandre aussi, tiens. Petite petite usurpée. Duché de Lombardie, tiens, usurpé, boum. Accord des titres fonciers, duché de Lombardie. Voilà, tout bien. Ah, c'est bizarre ça. Bon bah très bien, je pense qu'on a fait une belle guerre. Hein. C'est où, mais... Oula, là je comprends pas là. J'avais quelque chose en plein milieu. Une revendication au milieu de leur territoire. Duché de Vérone créé. Créé le duché d'Hollande aussi. Je vais nominer moi-même, attends. Je sais, je... D'accord. Ah, mais très bien, vous avez remarqué là, que c'est... Duché d'Hollande. Donc, on va laisser en vitesse 1 quand même. Que ça avance un peu, mais... Intéressant, ça. Zilland, c'est là. Ouais. Schmidt, je pourrais pas encore le donner. Si, je vais le donner à lui. Schmidt, je suis comme ça, j'ai plus. Donc j'ai pris aussi des terres ici. Très intéressant. Côté de Baden. Tout.
Donc en fait, j'ai beaucoup de revendications en Italie, d'accord. Brescia. Voilà. Bon. Je vais amener mes troupes ici, je vais faire des guerres saintes maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui attendent ça depuis un moment, des guerres saintes, donc... on va faire beaucoup de guerres saintes contre les païens maintenant. Enfin, si on a le temps. Hein. En tout, voilà. Ici, ici. Pas vie, il faut que je trouve un héritier. J'ai reste de V. Non. J'ai pas de V. Franchement. Voilà. Non, non, très bien. Donc voilà, c'est une belle guerre en tout cas, on peut dire. Bon, j'ai peut-être comme un peu plié comme le Saint-Empire, bon, il n'y a pas à dire. Je suis arrivé, j'ai conquéri une de ses vitesses. Donc voilà, ouais, c'est pas trop mal en tout cas. Bon bah ici on va faire cette guerre aussi. Bon, faut savoir que j'adopte toutes les idées en fait qu'on me propose mes vassaux. Maintenant je les accepte tous. Parce que pour une raison, technologie. Voilà, c'est... Ils ont tenté d'assassiner. Ils tentent de s'assassiner entre eux, d'accord. Marrant quand même. Je crois que j'ai perdu en plus. Ouais, j'ai perdu en Bretagne. Bon, très bien. Qui se tape dessus. Le fait que j'ai pas de généraux me pose un peu problème, mais bon. Vous voyez le nombre que je suis. C'est quasiment du 20 contre 1. Donc, généraux ou pas, au final... Ah, ah. Vite. Bon, on va tenter aussi de faire encore un peu de guerre. Bon, il nous reste un peu de temps, en tout cas, c'est bien. Ah tiens, duché de... Merci. En tout cas, comme promis, vous vouliez plus de guerre, vous voulez que je risque le monde. Ben, ça commence bien, je peux dire. De son temps pur, ça ressemble à rien maintenant. Moche. Y a rien dedans. Bon, très dur en tout cas à prendre cette deuxième forteresse. ans, il va bientôt mourir, oui, je pourrais redéclarer la guerre contre son héritier pour récupérer le deuxième. C'est pour ça que parfois il est utile de... entre guillemets, faire des guerres contre des gens affaiblis, parce que... la grande poêle. Ah, j'espère que ça, je vais pas perdre tout de caractère. Ça va être tendu quand même de...
Ouais, voilà, c'est ce que je monte. Je vais redéclarer la guerre. Bon. La Prusse a récupéré ça, d'accord. Le Saint-Empire, je veux dire. D'ailleurs, par curiosité. 33% du royaume de... de l'ancien empire de Saint-Empire. C'est même pas une répétition. M'appartient. Bon, on va déjà prendre la Pomérie. Poméranie. Je sais pas comment ça se prononce, donc je m'en excuse. Lombardie. Après c'est toutes des revendications sur le Saint-Empire, donc c'est des revendications futiles pour l'instant. Hein. Donc en tout cas c'est bien, je pense qu'on a fait une bonne petite vidéo. Hein. Voilà, c'est pas mal, pas mal. On va regarder un petit peu les technologies où j'en suis, ici, d'accord. Couronne, ça va tout virer. C'est bien, ça avance, ici, je pourrais bientôt acheter ça, c'est très bien. Non mais très bien, c'est... Voilà, on va s'arrêter je pense là-dessus, on vient de devenir empereur, on a l'âge légal, donc voilà, on s'arrête là-dessus. Donc là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.